Et salut tout le monde, c'est Brudeuf, toujours en compagnie de Chobiti. Comment vas-tu, Chobiti? Eh ben, coucou Brudeuf, coucou tout le monde, ça va bien, écoute. Alors, la dernière fois, on avait commencé à nettoyer les salines des avant-postes. Il nous en reste un à faire. Bah, écoute, je te propose d'y aller. Oui. Ou alors, attends, il y a un. Comment dire? Il y a un esprit là. Bah, de toute façon, c'est dans les salines. Il y a un esprit sur le chemin? Bah, je voyais un esprit sur la barre, sur la boussole, mais a priori, je l'ai regardé dans la carte et il est dans les salines. Donc, on va essayer de le retrouver. Et où est-ce qu'il est le téléporteur? Il est Il est là. là. Je crois qu'en plus, il est juste à côté du téléporteur. Hop là! Et hop, je Et te ouais. rejoins. Petit esprit. Écoutez une histoire. Je cherche de l'aide et un refuge au temple de Naya. Il est trop tard pour moi, mais peut-être vous aidera-t-elle vous. Bah, elle nous a déjà aidés. Ah, il faut apporter le fantôme à l'hôtel de Naya. Oh, ça va. Ouais. Bah. Je vais repartir avec le téléporteur. Ah bah. Il faut des gouttes bénies pour cette... Ah mais il y en a un autre un peu plus loin. De quoi, un esprit? Ouais, il y a un esprit un peu plus loin. Ouais, on en avait débloqué quelques-uns, mais à qui on pouvait pas parler parce que c'était de jour. Le tribut, je sais pas si je l'ai récupéré, son tribut. Normalement, si, ça va dans... Au pire, je suis derrière toi. Donc... Mais normalement, ça va dans l'inventaire. Alors, hop. Laissez le tribut du fantôme pèlerin. Donc, on a un souvenir obtenu. Alors, des souvenirs. On a 8 souvenirs de survie. On va peut-être en débloquer quelques-uns. Ouais. Alors, on a le choix des outils en obsidienne. Une lame miroir pour bloquer et renvoyer les attaques. Donc, le bouclier dure plus longtemps et offre une résistance durable aux dégâts. Ça pourrait être pas mal. Après, t'as mécanisme, canaliser la force du vent pour fabriquer des mécanismes capables de pomper l'eau. Ça pourrait être très bien, ça aussi. Ça pourrait être bien aussi. Architecture, donc de nouveaux bâtiments. Artisanat, de nouvelles recettes de babioles. Pour moi, les plus utiles, ce serait soit la lame miroir, soit les mécanismes. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je te propose de faire la lame miroir. Ça me va complètement. Voilà, puis Ouais. de toute façon, il nous reste 4 souvenirs. On pourrait débloquer. Non, il n'y a rien d'autre à débloquer. Dans les arcanes, est-ce qu'on peut débloquer quelque chose? Je ne crois Je pas. crois pas, non, je crois qu'on n'a pas assez. Hein. Non, c'est au moins 4. Et en esprit, ça doit être au moins 4 aussi. Ah, il y a des mélodies, mais il nous faut la bénédiction d'Horos, de Gleb et de Strige. On va les obtenir! C'est Ouais. le but! Bon, bah, je reviens. Hop, moi j'étais avec toi du coup. Ah, t'es Oh, téléporté aussi. ouais, j'en ai profité pour prendre des gouttes bénies pour purifier les sources. Ouais, ce serait bien d'avoir des sources dans les salines. C'est ce qu'on nous a dit en commentaire. Il y a quelques épisodes, mais on avait de l'avance en tournage. Puis on a débloqué un autre moyen qui nous permet de survivre un petit peu mieux dans les salines. Et pour réveiller la source, il me manque des pierres de cristal. Ok, bon, j'en ai pas sur moi, mais on en a. Alors. Et du coup, j'ai vu un autre fantôme.
Est-ce qu'on le voit toujours? Ah oui, là-bas. Bah, du coup, par là. Je vais juste aller vérifier que la tombe, on l'a bien faite, celle-là. Ouais, tombe caverneuse, on peut pas interagir avec. Oh, bah je vais peut-être avoir des pierres de cristal là-dedans. De la jade, une pierre de cristal, une. Pas très grave. Ah, je te propose de la garder pour le moment et d'aller plutôt voir le fantôme. Oui, c'est complètement d'accord. Avant qu'il disparaisse. Yep. J'ai grimpé déjà si tu me poses la question. Ah ouais, je suis derrière toi. Ouais, à mon avis, on va avoir du mal à l'atteindre. Ouais, il est peut-être un petit peu trop loin par rapport au niveau de nuit. Courons, Chocho, cours plus vite. Et vu que c'est du plat, on peut pas, glisser. Chocho. Bonjour fantôme artisan. Ah, tu l'as eu, parfait. J'ai vu tant de splendeurs détruites. Laissez-moi plutôt vous apprendre à en construire. Cool. Du coup, j'imagine que c'est un souvenir pour construire des trucs. Ah mais c'est de la survie. C'est de la survie. Ouais. Top, top. Du coup, qu'est-ce qui te tente? Bah, je serais bien essayer de trouver un autre téléporteur. Yep. Ou le troisième truc qu'on doit buter, quoi. T'as une attaque de spectre en approche sur ta tronche. Non, je veux pas. Et vu que c'est toi qui as créé la partie, c'est toujours sur toi qu'ils en ont. Non, enfin, après toi qu'ils en ont. Je suis innocente, je suis innocente. Ouais, tu es une démon, tu ne peux être innocente. On me connaît trop bien. Ah, ici, il y a un coffre. Ouais, des gâteaux. Gâteaux. Tout le monde aime gâteaux, les gâteaux. Gâteaux, je suis un peu plein, moi. Je vais manger ça. Et je vais manger ça. Il y a un bateau tout droit par rapport à là où je suis. Est-ce que j'ai un champignon brel? Oui, j'ai un champignon brel, ok. Top. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce bateau? Aïe. Mince! Des choses intéressantes? Ah, j'y suis pas encore, faut que je grimpe avant. Oh. Je vois rien dedans. Ah si, il y a un coffre ici. Alors, comment grimper dans les débris? Par là, a priori. Tu bluffes, Martoni. T'as réussi à grimper une fois, tu dois pouvoir y arriver. Voilà. Non! Punaise. On peut pas grimper? Si si, à droite tu peux grimper. Et là je sais pas si on peut grimper. Non, là il y a le rebord qui me gêne. Alors faut que je grimpe ici.
chose. De la pierre de cristal, une clé runique, des brumes baies anciennes fraîches. Et la porte, par contre, elle s'ouvre pas. Ok. On va rentrer, je pense. Ouais, mon éventail s'est cassé. Hop, on va manger un morceau. D'ailleurs, si on va boire un coup. Taille par là. Non, j'ai renversé l'eau. Quel idiot. Ah, ça arrive, ça. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Est-ce que j'ai un gland? J'ai un gland. Je vais essayer d'aller par là, débloquer l'autre portail. Pont de liane. Ça, je crois que c'est le... l'avant-poste qu'on peut pas détruire. On n'a pas trouvé comment le détruire, celui-là. Oui, je sais, j'ai plus d'eau. Ah mais sérieux, je me retrouve bloqué par mon propre pont de liane. Non mais ça marche pas ça. J'ai rien qui donne un peu d'eau. Ah si voilà, ça donne un peu d'eau. Voilà. Ah non, c'est pas le portail ça. Moi c'est trompé. Moi, je pense... Il est où le portail? Ah bah remarque, non, il est plus proche l'autre, faut juste que je le retrouve. Il est là. Ouais, la vie, ça va le faire. Tiens, d'ailleurs, je vais retirer les gamins. Hop. Parce que là, on est deux jours. On peut grimper, petit cocotte. Oui, voilà. Grimpe. Je sais, je te demande des choses un peu compliquées. Mais si on pouvait débloquer un nouveau portail, ce serait bien. Ouais. Alors, ici. Alors. Cormoran. Portail Cormoran restauré. Ah, et en plus, il y a une petite source. Coucou. Ah, il me manque un petit peu d'essence. Ça, c'est pas juste. Là, je vais me TP du coup. Mettre un accélérateur. Voilà. Alors. Non, il y a des spectres, ils vont nous attaquer. Je veux pas être attaqué. Ils vont t'attaquer, toi. Pas nous. Oui, mais je suis au campement, alors. Ok. Ah, aïe, mais il cherche. Non mais et. Tu vises ma cocotte. Ils essayent de te tuer là. T'es bon, on les a tous eu? Bah ouais, y'a plus la notif, donc ouais. Alors. On va revenir à mes petites affaires. Ouais. Ça c'est parfait. Ah, un parchemin de survie. Ça c'est parfait. Ouais.
manque toujours de boutons. Donc le parchemin, il est là. Un souvenir de survie supplémentaire. Top. Top, top, top. Ce qui nous en fait combien? 4, je crois. Oh, ils ont cassé un... Ah ouais. Alors ici... On a 8 points. On peut prendre le mécanisme pour pomper l'eau. Et... Ça. Ça. Alors, voyons voir. Ça. Faire du ciment avec des coquilles, de la fibre végétale et de l'eau. Ah, j'avais pas vu, on peut améliorer les paniers. On pourrait faire un anneau solaire pour réduire la chaleur du soleil. Alors attends, qu'est-ce que j'ai comme, comme anneau moi? J'ai un bracelet en bois qui agrandit l'inventaire de 10 emplacements, donc celui-là je vais le garder. Et j'ai un anneau aquatique qui aide à résister aux effets desséchants des salines. J'ai pas trop vu la différence hein, pour les salines. Ouais, ah c'est, si, la nuit, c'est pas ouf la nuit on ouf. Doit pas perdre d'eau. Il me faut une gousse d'épines. Épines, où est-ce que je les ai plantées les épines? J'en ai sur moi si tu veux. On sert pas. Attends, hop. F pour jeter. Ouais. Voilà, t'en veux plusieurs? Non, une seule, ça me suffit. Ok. Je transforme notre panier en méga giga grand panier. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait fabriquer maintenant? Des moulins à vent, il nous faut du grès, du bois et des fibres végétales. Je remets ça, j'en ai beaucoup trop de ça du coup. Le grand panier. Je vais nous faire donc un moulin. Ah, c'est pour... Alors, attends. On pourrait gagner sur le désert, peut-être, en le mettant... Je cherche un truc qui serait plus en hauteur que l'alentour. Ouais, on va le mettre là. Après, il nous faut des tuyaux. Ouf.
Ah. Est-ce qu'on en a un autre qui serait pas trop usé? Comment on fait pour les clipser, les tuyaux? Je sais pas! T'en as pas fait dans ta partie perso? Parce que non, je sais que t'as. J'ai pas fait de tuyaux! Non, tu sais, moi je m'amuse à planter et. Ben, je sais pas comment on peut raccorder les tuyaux les uns aux autres. Ils se clipsent pas. Déplacer. Tuyaux d'eau. Ah oui, genre t'as mis un tuyau et tu voudrais mettre l'autre au bout. Voilà. Ah mais me pousse pas. Je te pousse. Eh mais comment tu veux que je mette ça correctement après? Mais c'est qu'elle me pousse, hein. Ah là, ça fonctionne, c'est raccordé. Bah voilà. Je t'en ai rajouté un. Oui, en fait, un. Faut l'enfoncer un peu dans le... Ouais, mais alors après, comment ça... J'en sais rien. On peut choisir le type de débit. On va faire élevé pour tester. Ouais, alors comment te dire que de l'eau, il n'y a pas vraiment beaucoup d'eau qui sort là pour le moment. Ça c'est cool. Il y a peut-être un truc. Ah, j'ai des... il y a des séparateurs de tuyaux aussi. Ah. Alors. On creuse pour faire un trou sous la sortie du tuyau. Est-ce que ça va remplir d'eau? Ah, il faut peut-être que ce soit dans l'eau ou un truc du genre, de base? Non, c'est le principe, ça... le moulin fournit l'eau. Voilà, tu vois, quand tu vas dans le moulin, ils te disent une grande structure qui utilise le vent pour pomper de l'eau dans les tuyaux à proximité. Ah oui, c'est pas... D'accord. Ça canalise pas l'eau qu'il y a dans, le... dans l'air. D'accord. C'est juste pour transporter l'eau. Donc ce que j'ai fait ne sert à rien. Bon, on va le laisser là et on s'en servira quand on aura besoin de... quand on aura une source et qu'on voudra déplacer. Je te propose d'aller dans les salines? Ouais. Ah, parce que bon, tu vas pas offrir 3 semaines de vidéos de plantage de carottes quand même. Non, là je répare les jardinières. Ah, ok. Ah non, parce que je te connais, hein, si... Je te force pas à sortir du camp. ça récolte, ça replante, ça récolte, ça replante, hein. Hop, il y avait une petite source qu'on pouvait ouvrir. Bonjour petite source. Ça y est, j'avais raison. J'ai gaspillé un peu de ma précieuse eau pour... Mais je t'ai ouvert une source. Le cactus. Du coup, ta précieuse eau... Voilà. Non, mais c'était pour les cactus. Ouais, mais tu peux la recharger. Ah oui, si, d'accord. Ok. C'est une petite avoir... bébé source. Hop. Encore, mais... Est-ce que je peux l'élargir? Non, j'ai pas de silex sur moi. Si t'as du silex, tu peux l'élargir. J'ai du silex. Élargir la source. Il fallait du grès aussi. Ah bah, il y a du grès ici.
Non, mais j'en avais aussi. Pas vu trop la différence d'élargir la source. Bah, en fait, plus tu l'élargis, plus tu le vois la différence. L'élargir de 1, ça se voit pas énorme, mais... Et puis c'est pas instantané. Ça lance des météores là-bas. Enfin, des comètes. Un cactus! Bonjour, petit cactus! Bah oui, je sais bien. T'as pas le petit symbole, mais... Ah, celui-là, il a... Ah, un cactus! Ah, je crois que j'ai trouvé le dernier qu'il nous fallait. Ah, j'ai pas pris de champignons Brel. Merde. Je vais devoir tout faire à la main. Descendre comme une grosse patate. Est-ce que j'ai pas pensé à prendre un champignon Brel? Oups. Là, on va détruire les cristaux. Alors, pouf, pouf, pouf. Alors, tu es par là. Il y a encore d'autres cristaux à détruire. Oui, il y en a un là-bas. Je peux peut-être manger mon cactus. Alors. Et je cours le plus vite possible pour te rejoindre. Écoute, j'ai préparé le terrain. Ah, c'est celui où il faut souffler dans la corne, c'est vrai. J'arrive! Bah, ouf de ouf niveau vie. Je vais manger moi non ça. Plus. Je peux pas en manger. Ok. Bah, écoute, on va survivre tant bien que mal. Allez, crevez, crevez. Pas moi. Pas moi. Vous. Et tel que je me vois, j'ai pas pris de cataplasme, hein. Ah bah j'en ai pas non plus. Je te vois. T'essayes d'attaquer Broubrou. Ah, je me suis fait... Ils m'ont envoyé dans les airs. Oh non. Attends, est-ce que je peux 13? Ah, j'ai appuyé trop tard. Oh non. Broubrou. J'arrive. Alors, mon sac est plein, ça veut dire que j'ai de quoi manger. Ça dépend. Tu peux avoir pris que du grès et les CX. C'est un peu ça, ouais. Plein. Et t'as tué le dernier truc là ou pas? Oui. Le dernier est mort. Ah oui, pénétré dans le temple de Strige, la divinité des tempêtes.
Bah écoute, j'arrive pour venir chercher mon sac. En même temps, ça, je m'aurais pu m'en débarrasser, typiquement. Ça, je vais le mettre en... gaffe à ta vie, quand même. C'est rapide. Ouais, je suis en train de me dire... de regarder ce que j'ai. Mettre ça en accès rapide. Il n'y a plus personne, donc là pour l'instant je bouge pas, il m'arrive rien. Ah, j'ai oublié de refaire le plein de flotte. Ouais, là proche de nous il y a pas grand chose. Il est censé avoir quelque chose. J'avais des cactus. Par là. Ouais, j'avais un ou deux cactus. Ah, ça y est, ça va être le jour. Ouais, j'ai déjà plus de flotte. Alors, si j'en crois la carte, par là, il y a une source à sourcifier. Ah, je vois le portail, je vois pas la source. Ça c'était absolument pas bien lancé. Ah si, je crois que je la vois la source. Grimpe cocotte. Des fois tu veux pas. Des plumes. Ah, il y a une tombe. Top. La source est censée être pas loin. Bonjour, petite tombe. Je suis pas sûr d'avoir ce qu'il faut. Non, j'ai pas ce qu'il faut. Le port. Peut-être ce qu'il faut. Taille. Il me manque des étoiles de fleurs tombantes. Ah non, j'avais pas ça sur moi à ce moment-là. Voilà, le portail mouette c'est fait. Et du coup j'ai dû passer à côté de la source sans la voir. Où es-tu, petite source? Ah ça y est, je la vois. Faut libérer l'esprit. T'avais pas libéré l'esprit. Ah oui, j'avais peut-être pas libéré l'esprit, tout à fait. Bien vu. Voilà. Comme ça, il y a une petite source ici. Et un petit portail si on a besoin. Et je te rejoins de nouveau. Bah, on va plutôt se retrouver au portail alors. D'accord. Parce que moi là, je repère de la vie. Ah bah oui. Non mais cocotte, je viens te remplir ton outre. Tu bois dans ton outre. Ah oui, sac plein. Sac plein. Sac plein, chouchou. Comme... ceci est un sac et il est plein. Ouais, mais je vais crever. Non, ne crève pas. Le portail est juste là. Oh, ok. Donc je vais pas avoir trop le choix là. Soit c'est la flotte, soit c'est le poison qui va me tuer. Bah, il y a de l'eau ici si tu veux. Ah non. On a perdu notre broubrou. Ouais, j'arrive. Ouais, j'en profite pour vider un petit peu mon inventaire. C'était quoi le nom du portail? C'était Mouette. Mais il y a Vidas qui veut nous parler. Oui, bah il attendra. Je vais aller chercher mon équipement. Et... je me souviens.
Bien. Y a pas de coffre dans ce truc là? J'en ai pas vu. Oui, tu sais le truc en rond là à côté du portail. Ouais, j'en ai pas vu. Pas. Voilà, c'est déjà un peu mieux. On va revenir à l'oasis. Bon, j'ai toujours l'inventaire aussi plein, mais... Pouf, pouf, pouf. Est-ce que je peux pas me faire un petit cataplasme? Oui. Alors, je vais déposer ça. Top, top, top. Et du coup... là, ils sont là. C'est ça que je vais mettre en accès rapide. Parfait. Parce qu'il faut faire un grand panier. Par 26, ça maximum. Non, c'était par 30. Voilà. Comment tu les améliores, les paniers? Ah bah voilà. Oui, tu fais... Il me faut des fibres. Hop. Ben, je vais en mettre là. Je vais en garder un petit peu pour moi. Bah, on peut upgrader le panier, de toute façon. Oui, oui, oui. Voilà. On peut encore l'upgrader après. Ouais. Je remplis mon outre et on pourra repartir. J'essaie de récolter du cactus, mais je crois que t'es passé avant moi. Pourtant non. Pas là dernièrement, mais il y a ouais, quelques bah, temps. Écoute, ah. On va leur faire un petit champ. Voilà, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais.
Puis bon, j'ai ma grenouille qui travaille pour moi, alors je sais pas à quel point elle récolte. Ah, ça, c'est la grenouille qui a bouffé tous les cactus. Ouais. Elle est où? Elle travaille, elle travaille. Moi, je vois plein de trucs là au sol. Hein. Ah ouais, non, ça travaille pas assez, hein, les grenouilles. On est d'accord. Hein. Je les feignasse. Oh, un petit succès. Vigne de la lune, là, adulte. Top. Oui, je vais faire ça. On ait un petit peu plus de prairie. Ah, comme ça, elle va nous planter encore plus de trucs qui nous servent à rien. C'est pas vrai. Bon, d'accord, c'est vrai. d'ailleurs, je vais boire et ensuite. Bon, elle est où cette foutue grenouille? Normalement, tu la vois sur la carte. Bah, après, faut zoomer un peu, mais. Ah, c'est qui? Je l'ai vu à côté de moi là. Allez, je te câline si tu veux. Et après, tu ouvres grand la bouche. Bah là, que des graines d'amarante, super. Ah. Et des fleurs. Mais tout le monde aime les fleurs, non? Ouais, mais moi je veux du cactus. Bah les graines d'amarante, ça fait perdre de l'eau. Ça redonne de la vie et de la bouffe, mais ça fait perdre de l'eau. T'as fait, tu t'es téléporté? Ouais, je me suis téléporté. Je vais voir Naya. Bah là, c'est Strich qu'il faut qu'on voit. Ouais. Mais tu peux utiliser les talismans défraîchis pour faire un talisman à restaurer qui peut nous être bien utile. Mais de toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là surtout. Ça me va. Alors, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à aller voir la vue de Chobiti, à mettre des commentaires, des pouces bleus et à partager les vidéos. Et nous, on se retrouve très bientôt. Allez, bye bye. Ciao, ciao.